Bonsoir à tous, c'est bientôt la fin de ce mercato et nous avons beaucoup de choses à vous raconter. Jack Wilshere a quitté Arsenal pour rejoindre Bournemouth. Le milieu de terrain international anglais est prêté pour une saison chez les Cherries. West Ham s'est offert Alvaro Arbeloa, le latéral espagnol de 33 ans qui était arrivé en fin de contrat avec le Real Madrid en juin dernier. Après trois saisons passées au Sporting, Islam Slimani s'offre un nouveau challenge en signant chez les champions d'Angleterre en titre, les Foxes de Leicester. L'attaquant de 28 ans transféré pour 30 millions d'euros, plus 5 en bonus, devient ainsi le joueur algérien le plus cher de l'histoire. Au Racing Club de Lens, c'était la folie aujourd'hui. Le club sang et or a annoncé l'arrivée de 4 recrues. L'Égyptien Karim Hafez, l'Espagnol Christian Lopez, le Belge d'origine grecque Victor Klonaridis et le Burkinabé Adama Guira. Mais c'est Nice qui a réussi le coup médiatique de cette fin de mercato en Ligue 1 en achetant l'attaquant italien Mario Balotelli. Le club azuréen a annoncé l'arrivée de l'enfant terrible du football transalpin, devenu indésirable à Liverpool où il était depuis 2 saisons. On se retrouve un peu plus tard pour un dernier journal du Mercato. Restez à l'affût sur notre site.